Je m'appelle Rémi Coulon, je suis chercheur en mathématiques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un pendule chaotique. Alors, pour commencer, on va regarder un système un peu plus simple, à savoir un pendule classique. On a une tige rigide qui est attachée à un point fixe et qu'on va lester avec une masse, m. Et on aimerait comprendre comment va se comporter ce pendule, et notamment comment varie sa trajectoire si on change un peu les conditions initiales, à savoir la position et la vitesse à laquelle on va lancer ce pendule. Alors, pour modéliser ce problème, on va repérer la position du pendule par un angle θ. On est dans un monde idéal, à savoir la barre a une masse nulle et il n'y a pas de frottement. Donc, en utilisant le fait que l'énergie du système est préservée, on peut déduire une équation différentielle qui va décrire le mouvement de ce pendule. Alors, c'est une équation qui est bien connue et on peut notamment représenter les solutions de ce problème dans un portrait de phase, à savoir ici, on a représenté dans l'axe des abscisses l'angle θ et sur l'axe des ordonnées, la vitesse angulaire du pendule, de sorte qu'un point dans l'espace correspond exactement à une position pour le pendule et les courbes qui sont dessinées décrivent des trajectoires de notre système. Et c'est un système ici qui est extrêmement stable, notamment si on regarde la partie qui est dessinée en noir, on a des cercles, ça correspond au mouvement de balancier du pendule, comme le balancier d'une horloge. Et on voit que si on change d'une trajectoire à celle qui est à côté, finalement, le mouvement reste sensiblement le même. Alors maintenant, on va compliquer un peu le problème. Et au lieu de regarder un pendule simple, on va rajouter un deuxième bras articulé à notre pendule. Et donc maintenant, on va essayer de comprendre le mouvement de ce système. Donc pour le repérer, on va voir cette fois-ci deux angles, θ1 et θ2. Et un petit exercice de physique permet à nouveau de trouver les équations qui vont régir le problème que j'ai écrit ici, qui sont un peu compliquées. Et il se trouve que maintenant, si je voulais représenter les solutions sur un portrait de phase, j'aurais besoin de quatre dimensions, puisque j'ai deux angles et deux vitesses. Et comme que je ne peux pas faire un dessin en quatre dimensions, on va plutôt faire une expérience. Donc là, j'ai un pendule à deux bras qui a été réalisé par Elena Willis, une étudiante de l'INSA. Et comme je m'intéresse justement aux variations de la trajectoire en fonction des conditions initiales, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder deux pendules strictement identiques que je vais lancer à la même position. Et alors, ce qu'on observe, c'est que sur la première oscillation, disons, les mouvements étaient assez similaires, et très rapidement, les deux pendules n'en font qu'à leur tête. Chacun va suivre sa propre trajectoire. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand je dis que je les lance exactement à la même position, forcément, il y a une toute petite erreur. Et dans ce type de système qu'on appelle chaotique, cette petite erreur va être amplifiée très rapidement, et au bout d'un temps long, le comportement va être complètement différent. Alors, cette sensibilité aux conditions initiales avait été déjà mise en lumière par Poincaré à la fin du 19e siècle, et elle a été popularisée par Edward Lorenz, un physicien, sous le nom d'effet papillon. Donc, dans le titre d'une conférence des années 70, il pose la question un peu provocatrice: est-ce que le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas? L'idée étant que quand on cherche à modéliser un phénomène météorologique, très vite, on est face à des systèmes au comportement chaotique, et le fait qu'un papillon batte de l'aile ou pas peut être vu comme une petite perturbation des conditions initiales du système, qui, au bout d'un temps très long, vont comporter des comportements complètement différents, à savoir l'existence ou non d'un ouragan au Texas. Alors, si on regarde juste comme ça le problème, il y a un côté un peu frustrant, on a l'impression de se dire, finalement, quand on est face à un système chaotique, on n'est pas capable de prédire avec précision quel va être l'état de notre système au bout d'un temps très long. Alors, ce n'est pas si désespéré que ça, notamment, on peut faire un petit changement de point de vue. Donc, dans ses travaux, ce qu'a fait Lorenz, il a étudié un système, ici, que j'ai écrit, qui est censé est une version très très naïve d'un phénomène météorologique. Et à l'aide d'un calculateur, il a essayé de tracer quelles étaient les trajectoires. Il a observé une sensibilité aux conditions initiales. Mais plus intéressant, il s'est aperçu que quand bien même le comportement était chaotique, les trajectoires semblaient s'accumuler autour d'un objet qu'on appelle maintenant un attracteur de Lorentz et qui permet de comprendre un peu mieux justement le fonctionnement de ces systèmes chaotiques. Pour résumer un peu de manière naïve ce qui se passe, on pourrait dire qu'on ne sera pas capable de prédire si dans 10 jours, à tel endroit, il va y avoir un ouragan. Mais par contre, on peut dire
quelle va être la fréquence des ouragans dans les mois ou les années à venir.